Les gorilles s'entraînent aux haltères dans le gymnase. Trois autres gorilles arrivent et font du tapis de course. En tout, il y a maintenant 17 gorilles dans le gymnase. Combien de gorilles font des haltères Alors, bon, on va prendre un peu de couleur pour, pour y voir un peu plus clair. On a donc des gorilles qui s'entraînent aux haltères dans le gymnase. Hein. Des gorilles s'entraînent aux haltères dans le gymnase. Et puis, on a trois autres gorilles qui arrivent et qui font du tapis de course. Il y en a trois autres qui arrivent et qui font du tapis de course. En tout, on nous dit, ça c'est important, on nous dit qu'en tout, il y a maintenant 17 gorilles dans le gymnase. Combien de gorilles font des haltères Donc en fait, euh, ce qu'on cherche, hein, c'est cela que j'avais souligné en violet, c'est le nombre de gorilles qui font des haltères. Je vais le souligner en violet ici aussi, voilà. Puis alors, on nous donne ce, ce diagramme ici. Alors, ce, il faudrait essayer de comprendre à quoi ça correspond. Alors, je vais déjà compter combien on a de, de rectangles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, on a 17 rectangles. En fait, on peut très bien considérer que chaque rectangle c'est un gorille. Donc en tout, on aura 17 gorilles. Donc, ça en fait, je vais l'entourer le en bleu. Là, tout, tout ce que j'entoure en bleu, tout ça. Donc les 17 petits carreaux, en fait ça correspond au nombre de total de gorilles qu'il y a dans le gymnase, euh, une fois que les, les trois autres gorilles sont arrivés pour faire du tapis de course. Voilà. Donc là, j'ai 17 gorilles en tout. Alors maintenant, euh, si je, je vais enlever ceux qui viennent d'arriver et qui, ont, qui font du tapis de course, je peux très bien supposer que par exemple celui-là, -là, c'est un gorille qui fait du tapis de course. Celui-là, c'est un autre gorille qui fait du tapis de course. Et celui-là, c'est un autre gorille qui fait du tapis de course. Donc finalement, ce qui reste, hein, puisque là j'ai trois gorilles qui font du tapis de course, donc tous les autres rectangles ils vont représenter des gorilles qui font des haltères. Alors on, il suffit que je les compte maintenant. Hein. Je vais faire ici, donc je vais 1, j'ai un gorille, deux gorilles, trois gorilles, quatre gorilles, tout cela font des haltères. Ce cinquième-là fait des haltères aussi. Le sixième, septième, huitième, neuvième. Donc là, là j'en ai dix, onze écrit comme ça. 12, 13, 14. Donc là, je trouve que finalement, j'ai 14 gorilles, 14 gorilles qui font des altères. Donc la réponse hein, à notre problème, c'est il y a 14 gorilles qui font des altères. Alors bon, on aurait pu faire ça d'une autre, autre manière. Par exemple, on aurait pu se dire, bon, ben, ce que je cherche, c'est le nombre de gorilles qui font des haltères. Donc je cherche un nombre, un certain nombre, Moi, je le note avec un point d'interrogation voilà et je sais que quand j'ajoute à ce certain nombre les trois autres gorilles qui font du tapis de course eh bien je vais obtenir 17 alors là j'ai quelque chose plus les trois gorilles qui font du tapis de course ça doit me donner le nombre total de gorilles donc ça c'est 17 donc finalement j'arrive à écrire ça hein. quelque chose plus 3 doit être égal à 17 alors ça, je peux le voir aussi différemment. Je peux me dire que finalement, le quelque chose que je cherche, eh bien, ça doit être égal à 17 moins 3. 17 moins 3. Alors, je n'ai pas respecté les jeux de couleurs. 17 moins 3. Voilà. Puisque c'est exactement, en fait, ce que j'ai fait ici. Hein. J'ai mes 17 gorilles. J'enlève ceux qui, qui, qui font du tapis de course. Donc finalement, mon nombre de gorilles... Qui s'entraîne aux haltères, eh c'est 17-3. Alors 17-3, ben tu peux le calculer, hein, tu, tu, soit tu le calcules directement, si tu n'y arrives pas, tu peux compter. 17-1, ça fait 16, 17-2, ça fait 15, et 17-3, ça fait 14. Donc on retrouve encore une fois cette même valeur, 14. Voilà, Bon, on va faire un autre exercice pour s'entraîner. Alors, je vais descendre. On va faire quelque chose qui ressemble à un des modules d'exercice que tu peux trouver sur la Khan Academy. Comme ça, c'est pratique, tu pourras t'entraîner aussi. Alors, voilà. J'ai acheté un paquet de 13 cookies au chocolat. Ma sœur en a mangé quelques-uns et maintenant, il en reste 8. Combien a-t-elle mangé de cookies Choisir les expressions qui expriment la bonne réponse. On nous donne ces expressions-là. Bon, ça, on va s'occuper de ça après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, reprendre l'énoncé. Donc on a un paquet de 13 cookies au chocolat. Voilà. Et ma soeur en a mangé quelques-uns. Elle en a mangé quelques-uns. On ne sait pas combien, hein, mais c'est justement ce qu'on nous demande de trouver, combien elle a mangé de cookies. Alors, elle en a mangé quelques-uns. Il en reste un certain nombre. Et ça, par contre, on sait. On sait qu'il en reste 8. Voilà, alors tu peux voir ça de plusieurs manières. Toi, tu, tu peux commencer par te dire, bon, au départ, j'ai 13 cookies. Voilà, donc j'ai 13. J'en enlève un certain nombre, hein, c'est ceux que ma sœur a mangé. Donc c'est 13 moins quelque chose. Ça, c'est le nombre de cookies que ma soeur a mangé. Et ça, ça me donne bah, le, le nombre de cookies qui reste, donc c'est 8. Donc je sais que 13 moins quelque chose c'est égal à 8. Alors ça tu peux te débrouiller, hein. peut-être que tu sais déjà que 13 moins 5 ça fait 8. Mais sinon tu peux le faire aussi différemment. En tout cas ça c'est déjà une manière d'écrire, si tu veux trouver la valeur de ce quelque chose pour que 13 moins quelque chose soit égal à 8, ben, tu peux le faire en disant, en regardant par exemple les choses dans l'autre ordre. Hein. Si tu, euh, tu peux très bien aussi te dire que tu as tes 13 cookies. Ce qui restent, c'est ceux que ta sœur n'a pas mangé. Donc, si tu prends les 13 cookies et que tu enlèves ceux qui te restent, donc tu fais 13 moins 8, eh bien, il va rester exactement le nombre de cookies que ta sœur a mangé. Hein. Puisque le nombre de cookies que ta sœur a mangé, c'est le nombre total de cookies qu'il y avait dans le paquet au début, moins ceux qui te restent. Voilà, donc ça c'est une deuxième manière de voir. 13 moins 8, c'est égal à ce quelque chose qu'on cherche à déterminer, au nombre de cookies que ta sœur a mangé. Alors là, à partir de ça, tu peux calculer. Hein, 13 moins 8, ça fait 5 aussi. Comme tout à l'heure, on trouve que le point d'interrogation doit être égal à 5. Tu peux le faire petit à petit. Hein, 13 moins 1, ça fait 12. Moins 2, ça fait 11. Moins 3, ça fait 10. Moins 4, ça fait 9. Moins 5, ça fait 8. Moins 6, ça fait 7. Moins 7, ça fait 6. Et moins 8, ça fait 5. Voilà, donc ça, c'était une autre façon de voir. Il y en a une autre aussi. Hein. C'est que si tu prends les 8 cookies qui te restent, plus les cookies que ta sœur a mangées, donc plus le point d'interrogation, eh bien tu dois retrouver, enfin, évidemment, tu dois retrouver le nombre de cookies qu'il y avait au départ dans le paquet. Donc 13. Donc 8 plus quelque chose c'est égal à 13. Alors là aussi tu peux peut-être, c'est une autre manière de faire, à partir de ça tu peux, tu peux trouver la valeur de, du point d'interrogation. 8 plus 1 ça fait 9, 8 plus 2 ça fait 10, 8 plus 3 ça fait 11, 8 plus 4 ça fait 12, et 8 plus 5 ça fait 13. Donc on trouve ici de toute façon que le point d'interrogation doit être égal à 5. Voilà, ça c'est la réponse. Ta sœur, elle a mangé 5 cookies. Donc on va l'écrire ici, voilà. Alors maintenant on va regarder la suite, on nous demande de choisir les expressions qui expriment la bonne réponse. Alors il y a celle-là d'abord, 13 plus 5 est égal à 18. Bon, ça c'est pas très utile parce que ça ne représente pas tellement ce qui se passe. On a 13 cookies plus 5, c'est un peu comme si ta soeur au lieu, lieu d'avoir mangé un certain nombre de cookies elle t'en avait donné 5. Et donc tu aurais à la fin 18 cookies. Effectivement, bon, c'est vrai, un hein, 13 plus 5 ça fait bien 18, mais ça ne représente pas du tout le problème. Donc cette expression-là, elle ne nous sert à rien. Par contre, alors quand je regarde celle-là, 13 moins 5 égale 8, en fait ça c'est exactement celle-ci. Hein, ici, en fait, on sait que maintenant, alors, je vais l'écrire ici, hein, on sait que le point d'interrogation vaut 5. Donc on a cette expression-là, 13 moins 5 égale 8. 13 moins 5 égale 8 qui nous a servi, hein, qui peut nous servir pour trouver la, le nombre de cookies que ta sœur a mangé. Donc ça, c'est bon. Celle-là, on, on peut s'en servir. Alors la deuxième, 8 plus 5 égale 13. 8 plus 5 égale 13, ben, en fait c'est ça, hein, comme tout à l'heure ici, une fois qu'on a fait notre raisonnement, on trouve que le point d'interrogation c'est 5. Donc ici, cette expression-là, c'est 8 plus 5 égale à 13. Et là aussi, celle-là, elle nous sert puisque c'est à partir de ça on peut trouver le nombre de cookies que ta sœur a mangé. Donc finalement, c'est cette, cette expression-là, on peut s'en servir aussi. Voilà